Yo, salut les gens, c'est Fosso. On va faire une petite incursion à deux. Je vais vous donner les pactages et la strat. Donc là, j'ai un full compétence qui est full dégâts de compétence avec les genouillères astucieuses en dégâts de compétence. J'ai mon oxy à 27, hein, vous pouvez faire très bien sans être à 27. Et j'ai la ruche artificier avec laquelle. Avec laquelle je vais jouer. Il y a des gens qui décident de prendre les gambes dessus pour faire une surcharge. Je vais vous faire voir que finalement, on n'a pas réellement besoin de la surcharge si on ne fait pas du speedrun. Là, on veut juste passer l'incursion à deux. On n'est pas sur un timer, donc pas besoin de gambetter dessus. Donc voilà, alors, on a le canon de verre en Wyvern et puis on a le soutien technique. Partout vous mettez dégâts de compétences et récup de compétences. Donc moi je vais être l'oxy, le compétence, le mec qui va tuer les deux tourelles, Attends, puis c'est le le même joueur. collègue Ok, Aomin qui va être le DPS qui va se charger de tuer tous les mobs tout seul. Donc là je pose ma ruche, ok. et je vais me placer à côté de ce poteau, et au loin, je vais tirer à deux endroits bien précis, à droite et à gauche, pour essayer de casser les tourelles. Alors, je conviens, quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas super facile, ça fait pas longtemps que je réalise, et du coup, j'ai encore un peu de difficulté, mais bon, ça fera l'affaire pour cette fois-ci, je pense. Donc Aomin a rushé, histoire de déclencher les tourelles pour que l'Oxy rentre en jeu et fasse son action. On voit déjà que la tourelle de gauche est pétée. Je vais regarder, j'ai pas supervisé, j'ai pas eu celle de droite avec mes tirs tout à l'heure. Je vais y envoyer deux tirs là, histoire de casser la tourelle. Donc moi là, comme étant donné que je suis compétence, je vais pas pouvoir l'aider vraiment un petit peu, mais pas vraiment quoi. C'est lui qui va se charger de tout le démobage complètement quoi. De sniper. Donc là, paf, la tourelle vient de péter à droite, voilà. Ah, j'ai tous les mobs qui Donc viennent avec moi là. Hein. j'essaye d'aider Aomin, mais enfin bon. Là, c'est pas vraiment mon fort, le DPS, étant donné que je suis full jaune, je fais ce que je peux. Alors, Aomin, il a un build striker pour faire son démobage, qui fait très largement l'affaire, n'est-ce pas? Alors moi, ce que je vais faire, je vais wiper, hein, je vais me suicider à l'oxy, et puis lui dira ouvrir la porte pour que je réapparaisse et pour ne pas avoir à attendre les temps de recharge de mes 8 oxy. Je vais réapparaître et j'aurai mes 8 oxy, je pourrai changer de pactage tout de suite, je ne serai pas obligé d'attendre les 8 recharges, quoi, ce qui est un peu handicapant si on fait un speed. Bon, là, c'est pas un speed, mais enfin bon. Voilà, donc hop, là, je change de pactage, je vais prendre le pactage pour le camion. Alors, Striker, j'ai choisi mon Striker. Je le joue avec le nouveau holster parce qu'il est plutôt cool ce holster. Le holster du Centurion. Je joue avec un masque groupo pour avoir du crit, hein, beaucoup de crit, 60 de probable, beaucoup de crit. L'impulsion brouilleur pour au moment où ça sera les drones. Alors, ouais, j'ai pas de bouclier, va falloir faire tout le démobage. Tout le démobage sans bouclier. Aomin, il a quasi le même stuff que moi. Peut-être qu'il n'a pas pris le holster, mais il est en striker full crit. Donc là, la strat, elle est pareil qu'à 4, sauf qu'on est deux. Il doit y avoir du taf. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est côté droite du camion, et Aomin va s'occuper de tout ce qui est côté gauche du camion. Oula. Oula, 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 oula.
ouais. Viens, viens vers moi, je t'aide. Le camion est en train d'encaisser les dégâts. Que c'est les dégâts. Comment ça encaisser les dégâts? Par qui? Il y a un petit bonhomme qui tire dessus. Logiquement, il n'y a que les snipes et les gros. Non, non, il tire la mitraillette dessus, mais... Je l'ai tué. Signe vitaux critique. Oula, oula, oula. Oula, 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 il y a un petit là qui fait super mal. Oh, il a pris cher le camion déjà. Prends tes balles là, Fosso. Prends tes balles, prends tes balles. Je garde le dernier juste. C'est fait, c'est fait. C'est bon, en entrée. J'enverrai la première impulsion, mais on va attendre qu'il s'approche bien. Ouais. Vas-y, impulsion. Impulsion. Snipe, hein, c'est le plus important pour le captain. C'est bon. C'est bon. Bon. Le camion est pas mal là. Allez, let's go, t'es là? Vas-y. Ok,
Ok, cool, ça s'est plutôt bien passé, même si des fois ça pique un peu, rien de bien compliqué, bon, faut être attentif et faire gaffe à ce qu'on fabrique. C'est vraiment du démobage intensif à deux, hein, parce que on n'a pas moins de mobs qu'à quatre, hein, c'est les mêmes. Donc du coup, ouais, c'est plutôt cool, ça s'est bien passé. Donc là, on est en route vers le boss 3, là où ça va se compliquer là. Là, le boss 3 à la douche, à deux, ça va se compliquer. Hors de question d'essayer de faire vite, hein, à deux. On peut essayer de faire vite, mais bon, là, c'est pas le but de la vidéo. Plus tard, peut-être, on essaiera de faire une petite speedrun à deux quand on maîtrisera vraiment bien le truc, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Du coup, là, Aomine va prendre un paquetage de médecins et je serai ce coup-ci, à mon tour, le seul DPS du truc. Il va prendre le médecin, il va me filer de l'huile à fond, j'en aurai besoin, mais grave quoi. Et puis il va m'apporter le boss sur les bons carrés pour que je le douche. Et il va m'apporter le buff du Scorpio, la surcharge. Je balancerai un Achille, Tyrrhégulus avec le holster du cowboy. Vous voyez que j'ai un masque DH pour les dégâts de pistolet et les shots. Et mon striker est full headshot. Donc on est passé à un autre striker, je suis plus en dégâts coup crit, je suis en headshot pour ce Régulus. Donc ça va pas être facile à démober. J'ai choisi de jouer l'hiver funeste, parce qu'avec son nouveau talent, le talent qui a été buffé un peu, à 90% de dégâts coup crit en plus, ça va m'aider. Donc si je tire les têtes là, je fais vraiment mal. J'ai beaucoup de headshots, mais bon, à l'hiver funeste, tirer la tête tout le temps de tous les mobs, c'est un peu compliqué. Heureusement qu'il y a ce petit talent d'hiver funeste, plus 90% au dégâts coup crit, qui va grandement m'aider. Je vous laisse regarder le try. Ok, c'est bon. Donc là, il vient le positionner sur le bon carré. Je lance la grenade pour le coup de massue. Il m'a fait une surcharge pour que j'envoie mon Achille et que je fasse mon Tyrrhégulus. Achille, Tyrrhégulus. Voilà, paf. Il a pris les trois carrés en une balle. Je pense qu'il a changé là, Parfait. mais ça presse one shot. Oh, ça coupe, Nanou, je t'entends pas. Ah, nickel. Du coup, ce que je ferais, c'est dès que j'aurai reçu la tienne, là, je te renverrai l'autre, la Nivea, avec le CD, là. Ouais, bah, moi, ça ne servira pas, donc je te la renvoie. Il en reste au canapé. Ok. Mais il va où lui?
Ok, c'est bon pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, deuxième tir régulus réussi sur la deuxième fois où on l'a amené sur le carré, parfait. Je vous avoue que c'est un petit peu d'entraînement quand même hein, avant d'arriver à faire ce genre de truc. Il ne manque plus qu'à faire le démobage, d'attendre encore une fois les deux haches et deux boucliers, puis de venir replacer le boss une dernière fois sur un carré. Et puis le tour sera joué. Alors le pactage médecin d'Aomin, il a mis. Alors moi je suis Striker Full Headshot avec le masque sonné Headshot pour le Star du Cowboy voilà. Et mon Régulus. Et lui il a mis en spécialiste sur son médecin, il a mis le lance-grenade de démolisseur. Parce que le démolisseur, il va donner plus 5% de cibles non abritées à ses collègues, notamment donc du coup à moi. Ça m'aide quand je fais mon tir régulus d'avoir ces 5%. C'est bon. Attends les haches. C'est bon, Aomin. Oh non. Agent à terre. Reviens avec moi vers le boss. Je reviens avec le boss vers moi, Amine. Non. Ok. Non, t'inquiète. Oui. Déjà, j'ai pas raté aucun des trois tirs régulus. Donc les trois tirs, je les ai mis bien. Et j'ai l'impression que là, il était pixel. Hein. Je crois que le 5% de cible non abrité du démolisseur, ça aide. Ouais, non, laisse tomber, j'en ai 40, des comme ça. Merci quand même. Ouais, j'en ai, je sais pas combien, on a filé 2 tonnes. Donc, en route vers le boss, le dernier boss, le boss final, c'est clairement le truc le plus dur à deux. Hein. C'est le boss final, c'est clairement le truc le plus dur à deux. C'est pas facile. On va être tous les deux strikers. Moi, je vais être un striker avec le holster centurion et lui, il sera striker avec les gants sanglants qui vont lui donner, qui lui donneront un buff de 30% de dégâts d'armes quand il jette une grenade, comme c'est lui qui jette les grenades du coup de massue. Ça tombe bien.
Donc voilà, on va essayer d'être un peu complémentaires sur ce truc-là. Je vais avoir la cadence de tir et 20% de dégâts d'armes avec Molster, et lui il aura 30% de dégâts d'armes avec quand il lance les grenades, chose qu'il va faire plusieurs fois, donc ça tombe bien. Encore une fois, c'est vraiment le truc le plus dur, hein, le dernier boss. On va voir ça ensemble, vous allez pouvoir voir comment on s'y prend, quelle strat. Quel genre de strat on a essayé de mettre en place, quoi. Vraiment pas facile. Allez, je vous laisse mater ce truc-là. Bah, ton truc avec les gants sanglants, là, et puis moi, je vais reprendre le but striker avec, tu sais, le holster qui donnait 20% de dégâts, là. Par contre... c'était un leurre qu'il fallait que je prenne, c'est ça, ouais, un leurre. Donc là, ouais, je suis repassé sur un build critique et puis headshot. Ouais, critique partout, quoi. Beaucoup. Et l'holster centurion. Et l'Ouroboros. Il repart pas passer. Hein. Par contre, je n'avais pas de. Oh là là. Ah, elle remonte. Pourquoi pas, hein. D'où le drone là? Il arrive. Bien joué. Bien joué ça. Voilà, comme ça elle est bloquée en bas. Non. Oh, la tour est de snipe. Parce qu'il faut que c'est dans la zone. Attention. Allez, on y va. On est beau comme des haricots. On est beau. Oh non, 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 non. Voilà. Elle va venir. Viens, viens, mon petit. Viens, 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 mon petit. Viens, viens. Petit. Allez, garde là, je vais taper le petit. Oh. Oh là là, plus de balles. Non, bon, le petit est caché, il veut pas, il veut pas venir. Il est caché, il veut pas venir. Traumatisme détecté.
Oh non, mais elle est où? Sans te déconner. Gaffe. T'as pas de kit de soin? J'en ai plus. Fosso, tu sais là, en lui, tu laisses le drone pixel là. Quand tu fais le transfert, tu butes pas le drone. Ah non, je le casse. Non, ne le casse pas, surtout. Pourquoi? Ben justement parce qu'on aura presque deux, on peut la DPS ici et quand elle est là et on le peut drone, la DPS. Il va la régénérer, non? Si on le casse pas, il va régénérer. Non. Tu on l'envoie, quand on l'envoie là, vers l'autre. Oui. Là, tu le pixels. Tu passes, c'est bon. Ah, trop tard, putain. Ah, t'as compris ce que je voulais dire? Si, j'ai compris, mais j'ai voulu arrêter de tirer, mais... Vas-y, on la termine. Déconner le feu de merde, j'ai plus de ruche. Attends, je te réa dès que je finis là de maintenant, je te réa, ok? Agent à terre. Agent décédé. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Cette soirée-là, ensemble, toi et moi. Allez, lance, ça termine. Ah, va me retuer. C'est bon. Laisse-la moi. C'est bon? Tiens, j'ai la prise? Ouais. Bah, il se montre pas, ce con. Il est là. Attends, je tue les mobs, hein, parce qu'on va être plein de baignards. Fais gaffe. Oh là là. Fallait pas lancer l'heure, mec. C'est pour la tourelle. Non, mais elle va se tourner vers le leurre, tu vois. Voilà. DPS, la meuf. C'est la grosse. Voilà, maintenant. Le drone, maintenant le drone. Voilà. Grenade à lui. Allez, on se tape les drones là. Wow. Ouais. Ok. C'est bon. Écoute ma foi.
On se cache, cache-toi, cache-toi. Non, c'est bon, il est là. On peut y aller. Là. La boîte. J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Les dents, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe les dents. Ils vont me buter. Attends, je vais mettre un kit, j'ai deux kits. Tu peux filer un? Je voudrais bien, mon ami. Mais non, qu'est-ce que j'ai été faire? Les drones, mec, les drones. Waouh, je peux plus. Allez, les drones, fais gaffe. Tu vas manger. Je m'inquiète. Il y a un drone. Je sais. Il reste un drone. Il est où l'autre? Il est là. Il se fout pas de ma gueule, lui. Ah, faut arrêter avec les drones, faut le tuer, le mec là, parce que. C'est bon, c'est réglé. Il est mort? Ouais. C'est bon. Enfin, attends, c'est bon. Là-bas, il y a un snipe. Il n'y a que des snipes, ma parole. Fais gaffe, hein. Là, on meurt tous les deux, là. Oh non. Hors de question. Oh, ça fait super mal, hein, les snipes. Que des snipes, mec. L'arbre. Un seul. Il sait pas faire, c'est con. Et B, ça aura pas été chose simple, hein. Putain de merde. Voilà, c'était pas facile du tout. C'était un petit peu chaud, hein, franchement, honnêtement. C'était plutôt une petite partie un petit peu. C'était cool. Un gros big up à Aomin Daiki. Donc big up à toi, Aomin. C'était très très cool. Ça fait plaisir de jouer avec des gens qui maîtrisent un petit peu. C'est pas mal. Big up à toi.
Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de faire l'incursion A2. Sur ce, comme d'hab les gars, gardez la pêche.